La cité mixte Paul Valéry est un bâtiment des années 60 qui avait besoin à la fois d'une rénovation thermique, mais aussi d'une rénovation sur les espaces fonctionnels. Et donc le premier enjeu de notre projet, ça a été de réussir le challenge d'avoir à la fois des entités avec des flux bien distincts, un collège avec son entrée, sa cour, son préau, un lycée avec son entrée, sa cour, son préau, et en même temps de réussir un projet de campus unitaire, puisque c'est un ensemble et c'est le premier campus dédié à l'intelligence artificielle. On conserve un maximum une très grande partie des arbres existants et on en réimplante une très grande partie vu qu'on vient planter 156 arbres et arbrisseaux, enfin de différentes tailles à travers tout le site. Donc au total on aura 197, quasiment 200 arbres à travers toute la parcelle, donc cours du collège, cours du lycée. On a un jardin qui est destiné aux cours mais qui sera ouvert aussi au public pendant les périodes hors scolaires. Là vous voyez la partie existante et la partie rénovée. C'est un bâtiment qui fait 200 mètres de long avec un couloir central qui était très sombre, une architecture assez monotone, et donc on a voulu recréer des séquences bâties, redonner une dynamique à ces façades pour redonner une nouvelle identité au bâtiment. On a réussi ce challenge en imaginant des salons d'étage et sur tous les niveaux qui créent à la fois en intériorité de la lumière naturelle dans les couloirs et également, comme vous le voyez là en façade, des failles qui vont venir séquencer le bâtiment en trois entités et donc donner un nouveau rythme et une diversité architecturale. On utilise encore la linéarité du bâtiment mais en fragmentant les masses. On a l'espace du socle qui est très transparent. C'est tout vitré, ça permet visuellement d'avoir une liaison entre les cours et les espaces sportifs et paysagers à l'extérieur. On a des massifs arbustifs, on a des arbres en place qui étaient propices au déploiement d'un nouveau programme, l'accueil de classe en extérieur, l'accueil de programmes sportifs, table de ping-pong, piste de course. On a donc la coulée verte, la cité mixte Paul Valéry, les espaces extérieurs du complexe sportif Alain Mimoun qui viennent créer au sud-est de Paris un ensemble paysager et écologique réaffirmé.